pièges au demeurant de ces journées d'information serait d'identifier et de restituer les différents accords que le Mali a connus de l'indépendance à nos jours sur la crise au nord, alors même que les contextes de leur signature ne se recoupent pas. Aujourd'hui, plus que jamais, la situation sécuritaire du pays et les débuts de contestation de plus en plus grandissants de la présence des forces armées étrangères au Mali exige le relancement de la vulgarisation de l'accord pour la paix de Bamako, la levée des obstacles à sa mise en œuvre et, si vous voulez, en un mot, l'appropriation par chaque Malien et surtout par les membres du CNT, bien sûr, de son contenu. Le soutien de la MINUSMA à l'organisation de cette activité s'inscrit dans le cadre du soutien de la mission aux efforts des institutions du Mali en vue de l'appropriation des dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Notre intérêt, à la fin de ces journées d'échange, est d'aboutir à une meilleure compréhension par les honorables membres du CNT des différentes dispositions de l'accord, avec l'espoir que ceci favorisera davantage leur implication dans le processus de paix. Aujourd'hui, l'accord a 6 ans d'existence et sa mise en œuvre effective constitue plus que jamais pour le Mali et ses partenaires un centre d'intérêt majeur. S'il s'avère que son application connaît des avancées notoires, il est tout autant vrai qu'elle continue aussi d'enregistrer diverses appréhensions auxquelles des réponses idoines doivent être nécessairement apportées. S'il sait, mesdames et messieurs, avec votre permission, je déclare ouvertes les journées d'information à l'intention des membres du Conseil national de transition sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger. Je vous remercie pour votre aimable attention. Ceci dit, en fait, j'ai un commentaire qui finira par une question. L'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger, c'est un accord pour aboutir à la paix. Ça fait quand même des années qu'il est signé, qu'il est exécuté. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, quel est son impact sur la quiétude et la paix au Mali? Pour moi, l'implication de l'État concernant l'application de l'accord pour la paix est décriée par la communauté internationale. Mais quand n'est-il de l'engagement du désarmement des mouvements armés signataires? Merci. Il y a une frange de la population aujourd'hui qui ne comprennent rien du tout de cet accord, ils ne connaissent pas le contenu. Alors, on nous parle de l'accord pour tous les Maliens. C'est ça la problématique. Je m'en vais peut-être poser ces problématiques par rapport au pourquoi on est arrivé là. Est-ce un problème économique? Est-ce un problème politique? Est-ce un problème du développement? Depuis un bon moment, on sait toujours aujourd'hui dans ce pays qu'il y a énormément d'ébullition autour des questions relatives à l'accord. Et les gens se posent énormément de questions. Il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de désinformations, beaucoup de manipulations même, on peut dire, sur l'accord. Et on se rend compte aisément que le contenu, malheureusement, n'est pas approprié par tout le monde. Donc nous avons estimé que pour une meilleure compréhension, une meilleure appréhension, une meilleure appropriation de l'accord, qu'il vaille organiser ces 2 journées de réflexion, ces 2 journées d'échange et d'information pour que chaque membre du CNT puisse réellement savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord et qu'est-ce qui assure aujourd'hui les blocages de sa mise en œuvre et comment on pourrait aisément lever bien sûr ces obstacles pour arriver à une mise en œuvre. Nous estimons que si les membres du CNT s'approprient l'accord, arrivent à comprendre et relever, enfin comprendre l'accord dans son fondement, ça va d'abord aider à ce qu'au sein de leur corporation, la compréhension soit mieux assise. Ça va également aider à ce que les mesures législatives réglementaires qui sont nécessaires, dont la mise en œuvre dépend de l'organe de transition CNT, puissent être prises correctement. Mais ça va surtout alimenter le débat parlementaire autour de la question de l'accord. La deuxième des choses, c'est que l'accord lui-même se sait perfectible. C'est pour cela qu'il a prévu en son article 65 les mécanismes de sa propre révision.
La troisième chose, c'est que l'accord doit être mis en œuvre de façon intégrale. Et l'article 65 est une partie de l'accord. Si les Maliens pensent qu'il faut relire, alors on applique l'article 65, c'est une application de l'accord. Déjà, à travers les expressions, la prise de parole des uns et des autres, on sent réellement que l'accord n'est pas du tout compris par les Maliens et que les gens ont beaucoup sur le cœur parce qu'une fois qu'on parle de l'accord, et surtout, le point qu'il faut, c'est quand on parle de l'Azawad. L'Azawad est vraiment un mot que les Sud ici ne parviennent pas du tout à digérer. Mais par ailleurs, la solution, elle est là parce que c'est ce dans le dialogue que l'on peut avoir la lumière. Et de la discussion, j'ai toujours la lumière. Donc les débats sont en cours, on est en train de discuter. On voit que déjà la partie gouvernementale est en train d'expliquer la mise en œuvre, le processus de mise en œuvre de l'accord et là où ils en sont exactement, les facteurs de blocage et qu'est-ce qu'il faut. Et surtout les facteurs de relecture de l'accord. Est-ce qu'il faut relire l'accord ou est-ce qu'il faut laisser cet accord et aller vraiment vers les assises nationales souveraines pour essayer vraiment de pallier à ce problème. Ça va être difficile de ce soir à l'application de l'accord. C'est de revoir les parties qui posent problème. Il y en a beaucoup. Okay, et la mise en œuvre connaît beaucoup de difficultés. Okay, donc certainement, il y a des points de blocage. Donc ce sont ces points qu'il faut revoir pour que quand même chacun puisse trouver son compte et dans toute sincérité, dans la franchise, pour que vraiment les Maliens puissent continuer à se retrouver, à se parler. Chacun a le droit vraiment de dire ce qu'il pense, mais en réalité, l'accord d'Alger, moi personnellement, je ne vois pas d'autre alternative que l'accord d'Alger, parce que soit on fait un accord, soit vraiment il n'y a pas d'accord. Et quand il n'y a pas d'accord, quand il n'y aura plus d'accord, il faut quelque chose remplace l'accord. Qu'est-ce qu'on va remplacer si on laisse l'accord? On va mettre quoi à la place de l'accord? On va repartir à la case de départ ou pas? La case de départ, c'est les hostilités, c'est la guerre, c'est la mort. Et c'est ça que les gens évitent. Et c'est ça qui n'est pas bon pour construire un Mali uni. Il faut un accord entre les Maliens.